Bonsoir tout le monde, bienvenue dans le journal TNH pour jeudi. Et pour qu'on y a, nous allons présenter au grand titre. Travail réhabilitation, puis aéroport international Toussaint l'ouverture à Paris dans délai qui était prévu pour ça, soit mois septembre qu'a vini là. C'est garanti, technicien groupe Vorbe Fils accompagné Azel qui est responsable chantier à bail. Secrétaire rapporteur commission affaires étrangères Sénat, sénateur Kedler Augustin, exprimé satisfaction li pour décision Nations Unies prend pour changer Suzanne Page comme chef mission Nations Unies cap appuyer la justice mini-juste. Direction défense civile dans ministère défense, dans tête collée à force l'armée d'Haïti, tant même une série consultation médicale pour moun dans la commune Arcaye vendredi 11 mai. Activité ça cap bout demain samedi, rentrée dans cadre yon série activité pour marquer fête drapeau 18 mai cap vini là. Sous initiative yon institution qui pote non j'organise yon fois sous construction kaye l'ouvri vendredi 11 mai dans Pétionville. Activité sa cap déroulé pendant 2 jours, réuni yon groupe compagnie ak business cap vend service nan question construction d'après initiateur activité sa. Pour pipiti, 44 moun perdu la vie et puis passé yon quarantaine disparaît après effondrement barrage l'eau qui fait dans le pays Kenya jeudi 10 mai. Restez avec nos amis TNH, Titi Claude sujet pour développer dans le journal pour asseoir. Bonsoir tout le monde, comment t'en à qui le soleil a pleuvé, comment l'on met nous parler toutes les informations avec météorologue nous, Wilner Polidor. Nous, vendredi 11 mai 2018, c'est un plaisir pour nous ensemble. Nous sommes en début de week-end. Nous disons bon week-end à chaque monde et situation a commencé stable sous pays avec beau temps cap rentrer et en alloué qui fait ça. Nous avons une zone de haute pression qui commence à installer vraiment sous toute région Caraïbe, surtout Caraïbe centrale, dont Haïti. Mais au niveau de façade ouest, ça, disons entre Haïti et Cuba, il y a un prolongement de creux qui crée une instabilité sous région sud pays d'Haïti et aussi sous golfe de la Gonave avec le nord-ouest. Mais pour le reste du pays, non seulement c'est beau temps pour aujourd'hui, mais beau temps pour demain et dimanche. Nous avons un bon week-end avec bel soleil, surtout sous département nord avec nord-est, le centre et la Tibonite et même département de l'ouest. Mais pour région sud, là, commencer à toujours gagner quelques petites activités là. Mais activités là, ça aussi plus en soirée par rapport avec petite faiblesse qui trouve au niveau de façade ouest pays d'Haïti. Mais pour PIA ou bien pour l'ensemble du territoire national, c'est pour du beau temps avec anticyclone qui a généré un temps venteux et ensoleillé sous PIA, non seulement pour jeudi, demain et après-demain, mais toutefois il y a quelques averses isolées, moins bien dit isolées, qui étaient possibles sous certaines régions pour Assoya et au cours de l'an, surtout sous région sud pays d'Haïti. Pour capitale là, c'est un capitale qui a eu beau temps avec une journée qui était ensoleillée et venteux, mais toujours une possibilité pour gagner quelques petits averses isolées en soirée et au cours de l'an sous certains quartiers. Tout quartier pas concerné, mais gagner quelques quartiers qui sont concernés par quelques activités la vie, surtout au sud de Port-au-Prince. Et nous avons une température aujourd'hui qui est montée jusqu'à 35 degrés. Il fait très chaud aujourd'hui. Et puis par la baisse, c'est 22 degrés Celsius. Encore à ce moment effet de chaleur au cours de nuit. Là. Et pour la mer, c'est une mer qui est agitée sous côte nord à cause de zones de haute pression qui ont vent qui très fort cap souffle. La mer est très agitée, même jusqu'à faute sous côte nord. Demandez capitaine, vous prenez avec prudence. Mais pour golfe de la Gonale avec côte sud, c'est par rapport à la pluie que nous pouvons être capables vraiment réduire visibilité à capter quelques précautions, mais pour l'ensemble capable de naviguer seulement faut que éviter le large. Et pour page astronomique aujourd'hui à soir, elle a couché à 7h15 et l'a pleuvé demain matin à 6h16. Mesdames, messieurs, merci pour fidélité nous avec attention. Nous encore une fois un bon week-end, n'a croisé lundi pour une autre page météorologique. Et nous poursuivons avec information, merci pour fidélité et attention.
Ministère Justice et Sécurité Publique, MJSP, a pâti attention tout le monde et puis la presse et tout sous wall avec la responsabilité importante. Médias et journalistes ont gagné dans le cadre de lutte contre la criminalité. Dans ce sens, le ministère a adressé une correspondance à l'association Médias et journalistes pour demander toute collaboration dans les efforts qui visaient freiner des rivières. MJSP fait connaître, constater en pile journaliste avec médias pour un plaisir presque chaque jour recevoir dans l'émission Libre Tribune bandit la police a cherché ça qui pi mal là bandit ça yo a vouzakyo y a paniqué population pendant y a menacé non la presse force l'audio dans sens ça conscient ou inconscient professionnel yo dans la presse complice ça bandit yo pour raison ça dans cadre yon exercice responsabilité liberté la presse ministère justice à sécurité publique mandé tout journaliste éviter longer micro yo bay individu qui par jambe suspend menacer stabilité l'état. Entre-temps, on a fois qu'on est que président association médias indépendants haïtiens ami Georges Venel Rimaret réagit sous note ministère justice avec sécurité publique là côté demandé quelques médias pour ta suspendre bay bandi parler. D'après président Amia, ministre là capable gain élément en mail qui permettent lui parler comme ça. Cependant, li croit patron média yo gain responsabilité veiller sur travail journaliste si toutefois yo ta écarté règle déontologique métier non façon y a travail. N'a invite au suivi un extrait dans micro Anne Marguerite Auguste. Ministre là, il demande collaboration. Donc pourquoi pas et nous prêts pour nous collaborer. Et nous prêtons tout pour analyser avec le ministre là, éléments qu'il y a dans le milieu pour nous capables si il y a des bagailles graves qui fait et que les médias rendent tête coupable de une violation de propre déontologie. Et cependant, et nous même côté ça, on dit genre, et tellement agaçant, mais quand même, et qui fait que nous tiquons, c'est là que le ministère a dit que c'est la plupart des médias qui quasi quotidiennement, ça veut dire presque chaque jour, bat bandit parler dans le micro radio. Le ministre a exposé ça pour nous analyser, pour nous voir si il y a une forme de violation là-dedans, si il y a une forme de complicité entre ça et les bandits hein, et les journalistes là. À partir de ce moment-là, c'est clairement prouvé que le journaliste là, quelque part appuyé aux éventuelles menaces que un bandit a fait la micro, il montrait que lui quelque part d'accord avec elle, eh bien, vérité a, nous avons obligation pour nous dire. Soubopal, président de l'Association nationale Média haïtien ONMH, Franz Duval, fait qu'on est ministre de la Justice, là, manqué précision sous salle d'IO. Franz Duval déclaré, yo prêt pour collaborer avec le ministre, là, depuis le DIO qui donnait les gains en mail, qui fait parler comme ça. Yon extrait dans le micro Anne-Marguerite Auguste à Moïse Wilbrich. Nous regrettons le fait que le ministre font généralisation dans le communiqué. Ministre dit la plupart des médias, la plupart des journalistes a bay criminel parler. La plupart veut dire en créole, presque toutes. Est-ce que TNH là-dedans? Est-ce que Nouvelliste là-dedans? Est-ce que toutes médias dans pays là-dedans? Ministre n'a pas précisé et il se trouve que la justice besoin précision. L'on monde font bagaille, c'est monde ça responsable de ça le faire. L'autre monde qui pas fait pas responsable pour lui et la justice pas faite pour le généraliser. La justice faut une précision là-dedans. C'est premier ça nous regrette dans communiquer ministre de la justice. Deuxième, ça nous regrette dans le communiqué du ministre de la Justice, il dit que les journalistes qui sont criminels, que la police a cherché la parole, ils sont complices de criminels. Nous, c'est la presse. Job la presse, c'est tout le monde parler, quel que soit le monde, quel que soit ça le monde fait. Particulièrement, si il y a une liste qui dit qui est-ce que la police a cherché, qui est-ce que la police a couru d'elle, qui est-ce qui est criminel, qui est-ce qui est condamné. Et même si le monde n'est pas condamné, même si il a couru d'elle, le journaliste a droit de parler. Cependant, journaliste là qu'on est, faut prendre des précautions d'usage, faut qu'il fait mise en contexte ça pour dire ça un criminel l'a parlé au moment la police a cherché que l'a parlé, faut prendre distance avec mon nom, il pas pour le faire
porte-parole de moun nan, pas gen pou à l'aise à moun nan, pas gen pou la faire moun nan cadeau, mais il ka poser moun nan question quel que soit moun nan. L'on avocat parle avec un criminel, il pas vinn complice criminel là pour autant. L'on docteur joine un moun ki prend balle, li soigne l, que moun nan te bandi, que moun nan pas de bandi, docteur pas vinn complice moun nan pour autant. Journaliste surtout les parler avec quel que soit moun nan, que soit moun ki fait crime à zam, que c'est moun ki fait crime d'aka di en col blanc avec un plume nan meni. Journaliste n'a pas complicité. Journaliste n'a pas complice personne. Tout le monde fait travail. La police, la justice a couru des gens qui font ça que pas ça. Journaliste a informé la population. Depuis tout le monde respecte les règles profession païwa, je trouve que le ministre, l'elle dit que nous tous complices là, le ministre a dit que allé loin. Le ministre a demandé au commissaire gouvernement pour poursuivre journaliste comme complice, le ministre a dit que allé loin. Peut-être que son excès de langage qui fait dans communiquer ça parce que le ministre a fait que vini. Mais nous même dans NMH, nous disposons, nous disponibles pour aider les autorités dans la bataille qu'ils ont fait. Mais il faut que chaque monde reste dans la profession. Journaliste, c'est journaliste. La police à la justice, c'est la police à la justice. En pile monde, jeudi, a tendance à utiliser violence pour résoudre problème yo gen à conjoint yo par rapport à important sujet ça violence dans relation conjugale relation couple impact li gen dans société a. Yo équipe télévision nationale d'Haïti parler à quelques étudiants en faculté sciences humaines et puis quelques citoyens qui ont expérience dans relation couple pour essayer comprendre phénomène ça. Rachel Sefort avec Laurent Darry Jean-Jacques a présenté un reportage en suivre. En pile moun kwè pour nous arriver comprendre et puis résoudre problème qui gagne dans relation couple yo fòn ta chèche comprendre société a. Dans relation de couple pour moi c'est un acte social. OK? Donc l'homme en société il y a appelé pour que li gagne un partenaire et qu'il est capable de reproduire et tête les reproduire tête c'est surtout progéniture, fête simon etc. Mais tout et type de relation ça tout varie de une société à l'autre. Jalousie c'est un facteur qui la cause violence en pile fois dans relation couple yo. Et puis façon nous grandir timoun yo ak relation nou gen ak yo pral bay moun ya pye demè et puis définir comportement yo nan rapport yo ak tête yo et puis l'autre moun par rapport avec violence qui ka fait nan relation de couple on ka toujours interpréter ça tant qu'on rapport de domination c'est comme si et nan couple là a toujours gen tendance pour jwenn yon individu qui maintenant tête li dominé et c'est en forme et d'extériorisation de domination ça li choisi fait les fait violence sur l'autre conjoint qui nan couple là. On a toujours dit ça lié avec et une forme de socialisation côté il y a déterminé tâche et sexe opposé et féminin tâche sexe masculin qui a débouché toujours sur un, depuis à la base ça avait un dégradé ça gagne ça montré gagne un rapport de domination qui venait et sorti kay ni ti garçon ni ti fille par exemple ti fille a il toujours qu'il était dans ce bal faire des séries tâches ménagères elle petit parce que petit garçon lui-même il des séries recouler avec petit jouette l'a jouer football l'a jouer tête map tout ça et puis ça a venir consolider un sentiment de supériorité et d'infériorité car des petits garçons et filles qui qu'elle venir et ont un impact sur relation de couple violence nous ouais ça sous différentes formes j'ai l'impression que ça nan niveau laisse arriver dans relation de couple sans reproduction de violence que timoun yo depuis tout timoun moun yo apprend parce que ou qu'on a regardé gen parents normalement en pile comme pas dit tout conflit tout on bagaille timoun ta fait qui pas ta yo ta trouvé qui pas normal enfin pour yo gérer c'est bâton le plus souvent donc ça son bagaille moi même personnellement me compte parce que me toujours discuter avec conseil de monde pour me dire que bâton pas résoudre tout problème selon Hans Kamou un père de famille. Violence sont acte pour éviter pour résoudre problème nous parce que li ka la cause nous détruit tête nous l'autre monde l'environnement nous. Violence acte de pas gain contrôle sur ça ou soit sur penser ou soit leader qu'on gagne façon que ou même ta ka fond décision gain des bagages que ou ka fait qui totalement destructive. Après les cas faut arriver dans limite qui pas normal en consensus en leader en mental avec la vie. Evine Etienne Sabin, une veuve qui gagne plusieurs petits qui mariée expliqué de violence li wè jodi a nous pas habité avec elle. Il était quoi ça gagne rapport à qui on bagaille nous perdi dans éducation timoun yo ak façon nous concevoir la vie a. Journée jodi a c'est une crise sociale côté que moun connaît que longtemps que mon autre a dit avant l'argent c'est monde. Je dis à nous dit avant monde c'est l'argent.
Moi-même, époque où j'ai vécu avec Marina Tou, c'était dans les années 80, 90. Eh bien, pression nous gagne aujourd'hui, ça me le stress, situation stressante pour aujourd'hui, nous pas de vivre comme ça. Et moi, je crois que le stress, pression économique, pression sociale, tout ça contribue à faire de l'individu à un bombe à retardement et qui est capable d'exploser à tout moment, parfois même sous tête, parce qu'en fait, le nous garde être humain qui a vu aujourd'hui, il s'autodétruit. Mais des conseils disponibles pour aider les citoyens à faire face à des problèmes qu'ils ont rencontrés dans les relations avec leurs conjoints. Apprendre des garçons actifs depuis tout petit, ils sont égaux, ils sont clôtres. Pas utiliser violence pour corriger les gens. Ce n'est pas une diverse action qui a aidé nous faire face à quelques problèmes que la société a connus, et spécialement dans les relations coupées, d'après quelques étudiants de la faculté de sciences humaines. Nous tournons dans la page publicité. Arrêtez avec nous, nous avons d'autres informations pour vous. Dans l'actualité internationale, la direction Kenya a côté pour plus petit 47 personnes perdu la vie et puis plus passé une quarantaine disparaître après effondrement barrage l'eau qui fait dans le pays Kenya jeudi 10 mai. Une situation qui a des difficultés pour évaluer le bilan exact là en suivant. Dans le pays Kenya, précisément dans Ville Rift, au moins 47 personnes entraînent en et plus passé une quarantaine disparaître vendredi 11 mai. Plusieurs secouristes terrain sous place après drame ça pour chercher moun disparaitio ak aider sa ki victime yo. Selon la Croix-Rouge kenyane lan, environ 500 familles touchées après drame ça, côté yo déjà lancé yon appel don pour aider moun ki victime yo. Situation sa vini après saison la pluie qui commençait depuis mois mars passé ya nan pays Kenya. Les États-Unis ont annoncé plusieurs sanctions qui liées à l'Iran, côté 6 individus et 3 entreprises impliquées. Ces premières sanctions depuis sortie États-Unis dans l'accord nucléaire iranien en suivre. États-Unis ont annoncé plusieurs sanctions qui liées à l'Iran, parmi les 6 individus et 3 entreprises visées. D'après l'autorité américaine, individus et entreprises sont impliqués dans diverses opérations financières dans l'intérêt force, Al-Qaïda, qui c'est corps élite gardien révolution iranienne. D'après estimation département américain, l'agence a été servi pour financer activités malhonnêtes corps élite ça. Département américain souligné tout banque centrale iranienne ta complice dans plan ça, côté le soutenir réseau ça et puis permettre gain accès à plusieurs fonds dans diverses banques étrangères. Ces premières sanctions depuis sortie États-Unis dans accord nucléaire iranien. Émirats Arabes Unis, qui s'est allié États-Unis dans la région, s'allie décision président américain. C'est la journal en fini pour assurer. Avant nous aller, nous rappeler au pigou.io travail réhabilitation piste aéroport international Toussaint Louverture à Paris dans délai qui était prévu pour ça, soit mois septembre qui a venu là. C'est garanti technicien groupe Vorbe Fils avec la compagnie Azel qui est responsable chantier à bail. Secrétaire rapporté commission affaires étrangères Sénat, sénateur Kedler Augustin exprimé satisfaction libre pour décision Nations Unies prend pour changer Suzanne Page comme chef mission Nations Unies cap appuyer la justice mini-juste. Direction défense civile non ministère défense dans tête collée avec force l'armée d'Haïti quand même une série consultation médicale pour moun dans commune Arcaïe vendredi 11 mai activité ça cap bout demain samedi à rentrer dans cadre une série activité pour marquer fête drapeau 18 mai cap vini là. Sous initiative, yon institution qui pote non j'organise. Yon fois sous construction Kaye l'ouvri vendredi 11 mai dans Pétionville. Activité sa cap déroulé pendant 2 jours réuni yon groupe compagnie ak business cap vend service nan question construction d'après initiate activité. Et puis, pour plus petit 47 moun perdu la vie et puis plus passé yon quarantaine disparaître après effondrement barrage l'eau qui fait dans pays Kenya jeudi 10 mai. Merci tout le monde qui t'a suivi le journal TNH pour jeudi. Nous vous souhaitons passer un très bon week-end. À bientôt.